Allez, bonjour tout le monde, et ici c'est Landron pour le deuxième épisode de mon let's play sur le jeu Banished, saison 2. Alors, je vous avais essayé la dernière fois, on avait quelques petits problèmes de nourriture et de bois. Ce qui est un peu embêtant, je l'ai relancé. Donc ça y est, le Forester Lodge est fini. C'est une bonne nouvelle. Du coup, il faudrait qu'il finisse ça. Bon, bah, nos deux builders sont au travail, ça c'est clair. Il faudrait encore des fishermen parce que là on est vraiment trop juste niveau nourriture. Ah, ça y est, un laboureur de plus. Toc qui va aller en fisherman. On est vraiment trop juste. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils me construisent plutôt la... Ah, je sais pas, la Gather Hut. La Gatherer Hut, pardon. Ça pourrait être bien étant donné que ça permet de récolter de la nourriture. Mais l'herboriste, ça pourrait remonter leur santé. Bon, déjà, on va mettre en pause ici. Reserve food is low. Oui, bah, elle est déjà... Elle est pas mal, quand même. Disons qu'ils ont au moins tous un peu de nourriture dans chaque maison. Donc, on n'est pas... Disons que c'est la réserve qui est pas bien. Mais on n'est pas non plus en mode famine. Construisez. Construisez. Alors, attendez. Quand est-ce que je vais recevoir... Ah, il y a un enfant qui est né. Donc ici, 7, 5, 7. Donc on aura 2, 7. Un troisième. Ici, 5, 5, 1. Ok. 8. Ce qui veut dire que ça va bientôt arriver. On a quelle vitesse? 5, c'est pas mal. Je trouve que 5, c'est une bonne vitesse. Pas besoin d'accélérer ni de ralentir. S'il faut que je ralentisse, je mettrai en pause pour gérer un peu mieux le truc. Alors ce qui m'embête, c'est qu'on produit pas énormément de poissons. Alors qu'on devrait produire des quantités astronomiques, comme dans l'ancienne partie. Peut-être parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de zones d'eau. Je sais pas si ça gère, enfin si ça se... Si ça importe la zone prise, je sais que ça importe dans le fait où il faut pas coller deux fishing docks à côté, mais est-ce que le fait qu'on ait pas énormément d'eau encerclée influe sur la quantité de nourriture ramenée? Ça n'a pas vraiment l'air, mais bon. Si on a 3 sur 4, 4 sur 4. Alors, on en sont... Il manque pas mal de bois. Il nous manque vraiment pas mal de bois. La nourriture... Ah, ça baisse, ça baisse, ça baisse, c'est chaud. Pourtant, ça devrait être bon. Ça devrait être bon, pourtant. Toc, le laboureur va aller me couper du bois. Il a intérêt à le faire, parce que là, ça urge. Ça devrait être bon. À la limite, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est un champ. On pourrait faire des champs. On va en faire un par là. Un 11 par 11, j'aime bien. C'est une bonne taille. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre? Du blé. Toujours intéressant le blé. Bon, par contre, j'ai personne à qui y mettre dedans. 9, bientôt. Bientôt, je pourrais mettre des gens. Ramenez-moi du bois. 9 sur 30. La pierre, c'est bon. C'est le bois que j'aimerais. La nourriture remonte, c'est bien. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Faut que je concentre mes efforts sur l'un des deux. On va concentrer nos efforts sur juste celui-ci, ça ira bien.
J'ai peut-être lancé trop de constructions en même temps, ce qui est un peu embêtant. La storage de food remonte, enfin monte en tout cas, ce qui est très très bien. Combien il faut en farmer? Il en faudrait 3. Il faudrait 3 personnes. Ça fait beaucoup. Ça fait clairement beaucoup. Et qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu traficotes? Pick him up, resources. Elle est passée à 3 coeurs. Elle est passée à 3 coeurs. C'est... Bon, c'est pas encore horrible, mais ça veut dire qu'on n'est pas forcément en très très bonne santé. En plus, j'ai activé catastrophe, il suffit qu'une maladie, et là, c'est foutu. Et puis, la réserve de nourriture qui se barre. Et hey, c'est chaud en médium, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Reserve slug is low. Je sais. Bon. Fisherman de plus, il faudrait un farmer. Allez, ça vient là, oui ou zut? Ça a l'air d'être zut. J'ai pas énormément de nourriture, quoi. Allez, ça va descendre à 3 coeurs. Ça va descendre malheureusement à 3 coeurs. Est-ce que je ne comprends pas? Alors, un adulte. Déjà un farmer, il me faut un farmer parce qu'il me faudra de la nourriture en plus. Je sais que un farmer c'est pas assez, mais quand même. Allez les poissons. 9. Ils s'en font quoi de la nourriture? Il y en a certains qui stockent comme des fous. D'autres beaucoup moins. Je ne comprends point cette logique. Je ne comprends pas. Il va falloir une nouvelle maison en plus, ce qui veut dire encore plus de nourriture. Attendez, où en est mon builder? À 7 sur 45. C'est-à-dire qu'il faudra un herboriste tout de suite, dès que ça va arriver. Si c'est les logs. Ah ouais, mais le storage firewood, il est parti. Il est parti très 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 vite. Il y a un enfant qui est né et un laboureur. Deux laboureurs même. Voilà. Toc, farmer. Il faudrait que vous me plantiez du blé. Il y a urgence. Oh là 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 là. J'ai assez mal géré mon démarrage, on dirait. Là, ça construit, vite. Vous pouvez pas me le finir, là? Allez, tu me finis. Yes! Ok. Donc déjà, un herboriste au minimum. Gazer Hut, on va la relancer. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est vrai qu'on n'a pas eu un hiver très froid, mais ça aurait pu être la pire. Donc là, on est à 8. 8. 8. Oh, on va avoir beaucoup d'adultes qui vont arriver. C'est très très bien. Quasiment un par maison d'ailleurs. Ouais, ça y est, on est passé à 3, ce qui m'embête. 2 et demi. Mais oh, ils font quoi les mecs? Ils se laissent crever? Dire, il y a de la nourriture. Ils ont du bois de chauffage. Bon, c'est pas les conditions de vie les meilleures, mais quand même. Je ne comprends point. Ça risque d'être une saison exceptionnellement courte. Ce qui m'embêterait. L'herboriste, est-ce qu'il ramasse des trucs l'herboriste? Il trouve des herbes, pas beaucoup. Il en a trouvé. Je sais pas comment ils sont en train de se tuer. Il y en a qui sont à 4, je comprends pas. Bon, ils sont en train de yield.
Ils sont à 3. 2,5. Je ne comprends pas. C'est comme ça du blé? Ah ouais. Il en manque un peu là quand même. Il en manque un peu. Et la nourriture. J'ai d'énormes problèmes à ce niveau-là. J'ai des gros problèmes. Soit la nourriture, le bois de chauffage. Je suis à la ramasse. C'est pas cool du tout. En plus, il y a du hide, enfin, il y a des hide coats. C'est-à-dire que c'est des vêtements pour se tenir chaud. J'ose pas demander ce qui va se passer quand ils seront plus là, les vêtements. Ça va être n'importe quoi. Alors, il y a des herbes. Est-ce qu'ils les mettent quelque part, les herbes? Ou ils s'en fichent? Ils ont l'air de les utiliser. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. S'ils foutaient rien des herbes, ça m'aurait un peu énervé. Donc notre premier champ, il est bien. Peut-être que si je diversifie un peu la nourriture, ça ira mieux. Peut-être. Allez, ça arrive. 9. Oula, hop. 9. Ça va arriver. Là, on va en avoir 4 d'un coup. Ou presque. Ce qui est une bonne nouvelle. On arrive bientôt à assez de bois. C'est-à-dire plus de construction en cours. Bon, à part le la hunting cabin, mais on a personne pour la faire tourner. Donc, c'est pas très grave. Ça y est. Premier worker. Hop, hop, un farmer. On va mettre un forester. Ce que j'aimerais, c'est qu'on dépasse les 1000 en nourriture, que ce soit bon. Alors. Ça y est, on va pouvoir commencer à construire correctement ici. Ok, deux builders. Là, ils vont pouvoir finir ces champs. Encore un. Donc, ils trouvent quand même des herbes. Voilà, ils trouvent de la pierre. Au Forester Lodge, ils trouvent de la pierre. Je ne comprends pas. Allez, finissez-moi de construire ce truc. Qu'on puisse récolter de la nouvelle nourriture. Ça y est, ça remonte. Nickel, 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 ça remonte. C'est très, très, très bien. C'est exactement ce qu'il me fallait. Alors, gazer. Gatherer. Voilà, ça y est. Bon, par contre, j'ai plus de workers pour... construire. Ce qui est d'une certaine façon embêtant, mais ça devrait aller. Ah ouh. Je viens de me défoncer le pied sur mon bureau. Ah, ah. Aïe. Et en plus de ça, j'ai à peine fait un mouvement et je viens de me défoncer le pied sur le coin de mon bureau. Oui. La nourriture remonte. Maintenant reste le bois de chauffage parce qu'on est quand même en late summer, donc il faudrait du bois. Heureusement qu'on n'en récolte plus pour ça, parce que sinon on n'y arriverait jamais. Allez, tu me fais du bois de chauffage maintenant. On est à 28 habitants. Ouais, c'est pas mal. J'hésite à faire une nouvelle maison. Ça risque de pas passer quand même. Bon, tu me coupes du bois? Il y a personne pour couper du bois? Il est où mon woodcutter? Ah bah, il en fait.
quand même. Donc, on a du blé qui est parti vite, très très vite. Des herbes qui sont là, qui descendent. Le truc, c'est qu'on a le Iron Tool et le Hide Coat qui vont vite partir aussi, ce qui m'embête, c'est-à-dire... On va avoir déjà plus de mal, parce qu'on avait déjà pas assez de mal jusque-là. Alors, au niveau ici, il faudrait que je fasse des nouvelles maisons. Il faudrait clairement que je fasse des nouvelles maisons. 5 ans, 7 ans et 7 ans. Il faut que je fasse de nouvelles maisons. Ce qui veut dire encore plus de nourriture. Ce qui veut dire que ça va m'embêter. On va attendre que le storage de firewood remonte parce que là, ça va point. Et pareil, la nourriture qui fait des yo-yo, tout simplement. La nourriture fait des yo-yo, je ne comprends pas pourquoi. Mais la nourriture fait des gros gros yo-yo. Ah, heureusement que leur morale il est à fond. Hein. Leur morale est à fond. Les ressources ne sont pas du tout, mais leur morale est à fond. Allez comprendre. Bon, c'est bon là, vous me récupérez tout le bois. Là, il y a énormément de bois. Qu'est-ce que tu fais toi? He's working. Tu es un farmer, bah forcément en automne bah ça passe pas beaucoup quoi. Ouais. Tools is low, bah oui, bon bah les tools je peux pas faire grand chose. Je peux à peine produire de quoi subvenir à mes villageois, donc pour l'instant les tools voilà. Farmer. Il me faudrait plus de firewood. Fais-moi plus de firewood. Ah là là. C'est la galère. C'est la galère. Late automne. Je crois qu'en plus on va avoir un hiver bien froid. Comme je les aime pas, étant donné qu'il fait déjà 1 alors qu'on est presque en hiver. Ya, ça y est. La neige est là. Une nourriture qui joue toujours au yo-yo. Compliqué. C'est compliqué d'arriver à tout gérer correctement. Bon. Là ça va, ça pousse. Encore que j'ai beaucoup de bois, là ça devrait aller. Alors, est-ce que ça rapporte des trucs? Oui, ça rapporte quand même un peu de nourriture. Un peu. Pas autant que ce que j'espérais, pardon. Mais ça rapporte quand même un peu de nourriture. Pas mal de bois. Bon, alors, la machine semble être... Oui, ça remonte, ça remonte. La machine commence à être lancée. J'espère que ça va aller, même quand on n'aura plus d'outils ni de vêtements. C'est pour ça que j'aimerais un maximum de personnes disponibles. Quand on arrivera à ce stade-là. Parce qu'il va falloir que je fasse des champs. Des arbres fruitiers, est-ce qu'on pourrait en faire là? 11 par 11, non, bah non, un 10 par 10. Donc là, il faudra qu'ils remove des trucs. De toute façon, les farmers, ils vont s'en charger. Étant donné qu'ils font rien. Toc. Voilà, c'est bon. On va faire des pommes. Ça va être long, mais au moins ça fait... Ça fait de la nourriture, toujours. Sachant que c'est des farmers, c'est catégorisé dans farmers aussi. Bon voilà, il y en a qui sont sans outils, forcément. Pour les outils, c'est... ça fait 20 minutes, c'est le blacksmith.
qu'il faut du wood et de l'iron. Et pour l'iron, il me faut... Une mine. Sauf que la mine, je pourrais la mettre ici. Avec que. Qu'est-ce qui se passe si on met genre un tunnel? Ouais, c'est bien ce que je me disais. On a un problème de bâtiment. Donc faudrait le décaler légèrement. Donc ça veut dire qu'il faudrait le décaler 3. Il faudrait mettre ceci. Ah ah, un enfant est né. Ici. Et on va mettre en pause tout de suite parce que on n'aura jamais la possibilité. Ouh, la nourriture vient de passer les 1000. Toc. Et pause. Pause. Ne faites rien. C'était juste pour avoir l'emplacement. Voilà, la nourriture vient de passer les 1000. Donc, on est quand même lancé. C'est une très très bonne nouvelle. On a l'air d'être bien. J'ai cru qu'on allait wiper directos le let's play dès le second épisode, mais non, on a l'air d'être à peu près lancé. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. Ok, bon, et ben voilà, petite pause, parce que sinon je risque d'être pas correctement préparé si je dois intervenir. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes toujours pas abonné. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de ce let's play de gestion survie. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.